pas au gouvernement de l'Union sacrée de la nation pour son approche d'intervention d'urgence et qui expérimente un modèle économique du secteur de l'éclairage public. Ce modèle est déjà séduisant à plus d'un titre. En 45 jours seulement depuis la signature du contrat avec une autre entreprise Solecra, ils ont réussi à faire fabriquer localement des panneaux, à former les jeunes qui les ont venir de l'étranger, les composantes de base et installer tous les lampadaires qui font l'objet du présent projet. Et tout à l'heure, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, va donner le coup d'envoi. Les lampes sont déjà là, mais le président a préféré venir ici la nuit, Godé Kabundi, pour voir si réellement le projet est opérationnel. Et nous le confirmons, il est opérationnel et dans quelques instants, la République va s'en rendre compte. Tosa kijila Blaise Bokokia, mkubangi la mujiba jiku mili mwanda mkulu, ni tusonsa chitema, lujimiendu miteme mwenemu karche mikondo, kuluse kala kumini wansele, kuriwa bigila senjili brasserie. Nanku, huu mwini mwabe u, mbilonde shilema tukumashala, kukadi mpinje u, ngondu mitu wa kumwanda mkulu wanyi, mwanda mteka tamchitupa, walbu wasema tukumashala, mo Beatrice Hotel, mwabuvu anser, mwono mshindu wa kuleja patoka, jimu mwini na, da Congo pratique benza bosse 145 territoire ya monde mari tonga da Congo démocratique imono mushindu wa kupeta miendu mujubika la bikengeje bwa ebimbilonde shela lufunda lwa mfumo wa ditunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo urume kala ujinga bwase bana ba muri tonga da Congo démocratique ba muna pabu mwa kuikala ninji ba da malonga ninji ba da kubwela munzubu bikala bamanya se mwendo umona mwa kutema bwalu mbamba se le peuple d'abord na nkon kache to tukile pa lunkelo atu to kula pa baka muna kamba ba tulaba fuwa kudi ba na mujumu ba mbula mataji kudi ba mbulushe ba salai ni bosu bitu la mwabeo anubu wakumu na mshindo fumo wadi tunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo urinchi akumu na mshindo wakufila china chike mwechi mbakunu shadikila buwase miendo yi idimika ni tema ni buke nka buwa jiba jiba di jimunye mwika la koko yoyika ye ni tema nash haji anumu ijima ubwele tufika mujiba diko mwanda mkulu ni tusunso pamutu jiba di miendo di tema mbwa kulesha buwase bantu bamuna mwakwenda gana mjubi kengedi mbileje bwase mfumo wadi tunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mulume nyilwa le peuple d'abord uri wenza mwosu mkele mwakwenza mjumvani ni bobo hapa ni bamuna mwakwele miendi mu nyabe mifishi ilangana bajiki jamu njili braseri badi mwakwele mwakwa jikulu seka lwa ijofa niba fika kwako kumiaba miko vyosu ilimika li kengejibwa niba muna nimu wakufika bwa kwenza mwosu mkani mwakwenza bwa se bela nzembu ilimika li kengejibwa mbinende shila mapanga jika alimika la mangata kubuka lenga bwa ditunga burubusha adika bwa se lelu bwa kusomba biyakana bwa kwenza biyakana bantu belidishinga ni mwendo mwendo udubafila bwa se bikala kuba munangana mushindu uji mwenyeni ni mwene lukuna kari mwakubwele la bantu mumbanza ya abunash kibwaluka anibasha adika bwa se njila wa njili braseri urumika nusanga ni mpaji mwana kufika kuluseka lwa maf udubwele upita mwaba urumika la benza chapu chamai cha reji dezo ulo kufika kuluseka yeko mwakunisha adika bwa se miendo ikali mimana kutema pikala baileja kuribetu barikubiamwa mbakuni leja buwase mbayela na ankufa tutokula hapa ukaji miendo mivulu ilimiela mkusha alamiku wabu ikala bube ndaba kumbasha anubuwase bambuna mwakwenza mwosu mkani mwakwenza buwase bana bakuliseka lwanjili braseri bikala mmiendo miaka na nimiku mbana wetu Matie Mudibangu merci beaucoup pour les cours de Lingala. Très chers téléspectateurs, nous poursuivons la retransmission nocturne à partir de Njili Brasserie. Mais il faut ici signaler que les éléments clés que l'Anser envisage de tester dans sa collaboration avec une autre entreprise qui s'appelle Solectra sont la logistique liée à l'importation et à la distribution des solutions énergétiques, la sécurité des coûts, la structure de coût, allais-je dire, l'impact sur le petit commerce, l'impact sur la sécurité, l'impact sur l'emploi, parce que tout le personnel est commis à l'exécution de ces travaux
on a recouru hein, à la main d'œuvre locale, impact sur l'industrie locale, les poteaux étant manufacturés localement et la mise en place d'un réseau isolé. L'éclairage public dans les zones rurales et périurbaines, quoique souffrant encore de l'inexistence d'un modèle économique, constitue un segment important que de l'action des lanceurs qui présente déjà ici à Angili Brasserie, et nous espérons encore certaines sources ces actions sur une grande partie du territoire national. Nous y sommes, Mathieu Moudibangou, dans quelques instants. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, va arriver ici. Il a préféré lancer les travaux, le coup d'envoi des travaux pendant la nuit pour qu'il puisse se rendre compte personnellement de l'existence et de l'opérationnalité de ce projet pour le moins important pour la population congolaise et particulièrement pour la population de Ndjili Brasserie. Yasolo de Kwana Blaise Bokotia Sanza, Minute Miabutangi, Mokambeko, la 5 Koko Makasia Koko Mawapi, Mokambeko, Azilami Ana Balabala Sanda, Mikondo ya commune ya Nsele, Pamba Tezana Mikondo ya commune ya Kimbanseke, Kachoza Mikondo ya commune ya Nsele, Ndjili Brasserie, et pas du tout na ngonga eye pona mululu monene moitoza kozela boyibo mokambekolo na bopesi nzela po ete mwango monene mwa bongengisi balabala enene eye na mwinda mosalema mwango boye mozali ya kompani aser ezali kompani yoko eza kopesa maboko mpona ntina botye minda minda mikopela bela nzela na moi eyokosenga lotiliki te eyokosenga moi mwinda mozali ya pe ezali moto kozala te yango moko ezali te batie mwa contact eloko songolo pakala te yango moko epeli ngonga ya ntongo tokomi ngonga ya motoba yango moko ekati lolenge babengaka na lifrancais automatique etalisi ete okati ya makanisima nzenga na mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bana ekolo congo démocratie mobimba komanda okati nguma mokonzi Kinshasa kokende kati na bituka bazali kozala na mwinda bazali kozala na lotiliki mpona yango ezali moko kati ya mai babengaka botombwami ekolo quartier oetuka oengumba tembete mikomiuti koleka mokambekolo azalaki kuna na quartier babengi Kinshuka CPA ngala ya kotalisa pilote de tope poste tongami po ete bapesa maboko soko lotiliki euti na zongo de zongo de ezali duka ezomi na kongo lotiliki na eoya na poste oyo ezali kotongama na Kinshuka pesher pe lotiliki oyo ekoya wana ezali lotiliki okobima 220 mpona kopesa bambota mwa bazwami na komini yezwami oyo eloli yango mokonzi Kinshasa totalaki ngalema monga fula bipai na bipai kasi sika a na komine ya ezali bongo likama botyei mwinda mwinda moi mokopela oma balabala mpona kopesa ngengi pamba te baza kobika na mwa molili lotiliki ezali te mwinda ezali te mokambekolo atalisa bite esengeli bana bangai bamona mpe mwinda mwinda mongenga pai na bango yango ye mo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki ete molulu moi mosei kosalama na ngonga ya komona lolenge kani mwinda mie batie eza kopela na moi epesa bongengi bo yango mpo ete eza likambo ya bopesi nzela mpo mwango monene moi anser mobanda mpenza misala mio na ntina botye mwinda lolenge nabisaki bino eza kaka ma mokonzi Kinshasa te mpe na monima mokonzi Kinshasa te so kokendesa kati ya bituka kati ya bingumba ndenge na ndenge mpona kotalisa ete esika bato bazali kobika eza litomba linene te mwinda ezala kati ya bango lolenge ndokaa kosema atalisaki yamba bokawa toleki mpe kompani ya régie des eaux na lemba imbu régie des eaux ezali kosala nini eza koyikisa bilelengo bisaleli bya ndenge na ndenge bio bikolamba mai maimana na mbotama milotik biloko mibale bie bisalaka esika te moto aza kobika yango esengeli kosala na ye okati bikeli ya moto esengeli epesaa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 
Bituka, na moni chopo, na moni kuyo, na moni bipai na bipai. Ya kota isete, ya soro mwinda mwe, mwazana li tomba li nene, pona kongengisa, babotama, yungu mwakonzi Kinshasa, mingi mazwami, omoni yare, yungu mwakonzi, na njili baseri, bezo kota. Merci beaucoup, Modibango, mwinda epela, de quoi s'agit-il? Ce concept s'aligne sur la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui consiste à faire passer les taux d'accès à l'électricité à 30% d'ici 2024, soit 15 millions de nouvelles personnes connectées en 4 ans. De la sorte, le peuple verrait déjà se matérialiser en sa faveur l'expression en janvier 2001 par son excellence monsieur le président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la cérémonie de capitalisation des fonds Mwinda, lancer organe technique du gouvernement. En ce qui concerne l'électrification rurale et périurbaine, très chers téléspectateurs, a entrepris d'explorer les dimensions variées de la problématique de la pauvreté énergétique en République démocratique du Congo. Elle a, à cet effet, initié les différentes technologies disponibles pouvant faciliter cette électrification de masse. À ce stade, le concept là comprend les segments suivants: l'éclairage public, l'électrification des bâtiments publics autonomes, le déploiement des kits individuels ainsi que l'installation des mini-réseaux électriques hydro-solaires tant à Kinshasa. Mais nous avions dit que l'opération va s'étendre certainement sur l'ensemble du territoire national. Nous aurons un expert des lanceurs qui va nous parler de ce projet pour le moins important. Nous avons dit au début de la projet Kinshasa, et nous osons croire, nous aurons certainement des confirmations avec l'expert qui est à nos côtés. Cette vaste opération va s'étendre certainement sur une grande partie du territoire national. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Moi, c'est Trésor Chidibi, donc je suis expert technique à l'ANSER, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. La première partie de cette opération commence par Njili Brasserie. Est-ce que vous confirmez aux téléspectateurs qu'à part Njili Brasserie, l'opération va s'étendre sur d'autres contrées de la République? Je confirme effectivement que le projet va s'étendre sur d'autres parties de la République. Il faut d'abord noter que le projet a plusieurs volets. Il n'a pas que le volet éclairage public. L'éclairage public n'est qu'une partie en fait, du package de projets que nous lançons aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne l'éclairage public d'abord, après validation des technologies que nous avons implémentées ou qui ont été implémentées ici, nous allons les étendre à travers les 145 territoires que la République démocratique couvre. En termes d'isolation, ça peut être aux alentours des 400, 500, voire 1000 km de linéaire routier à éclairer. Pour le volet éclairage public, mais il y a d'autres volets, comme vous, peut-être on peut le lire sur nos dépliants qui sont en train d'être distribués. Ça veut dire qu'au-delà de l'éclairage public, il y a l'accès des villages aussi à l'électricité, d'ailleurs, qui est d'ailleurs ce que la plupart des gens attendent, notamment même ici où nous lançons ce projet par l'éclairage public. Et en termes de projet pilote, pour les tests aussi des technologies, nous avons une centrale solaire de une centaine à peu près de kilowatts crête que nous allons installer à Mangata. Je pense à partir du mois prochain, sera téléporté également à Irambira Nord, dans le sud Kivu, territoire de Kabare, à Walungu, dans le village de Madaka. Et il y a des technologies en hydro aussi que nous allons pouvoir implémenter, notamment avec l'extension des capacités sur les centrales du diocèse de Idiofa. Donc tout ça, ce sont des projets pilotes que nous lançons. Et une fois validation des technologies, nous allons étendre le projet à grande échelle à travers le territoire. Mais qui finit les travaux ? On peut dire que dans la plupart des projets pilotes, comme le projet de Gilly Brasserie, c'est un projet à titre gracieux par le partenaire en fait, qui implémente le projet, je cite, Solectra SA, Solectra Mali.
ce sont eux en fait qui ont offert à titre gracieux pour la République. Évidemment, c'est un projet pilote, donc ils veulent qu'on teste leur technologie. C'est eux qui ont offert à la République les technologies que nous implémentons. Première partie de ce projet connaît la participation personnelle du chef de l'État qui va arriver d'un moment à l'autre ici à Ndjili Brasserie. C'est une fierté pour l'ANCER ? C'est une grosse fierté parce que déjà en opérationnalisant l'ANCER l'an dernier, c'est-à-dire juillet-août 2020 de l'année passée, il avait confié au responsable de l'ANCER, à la direction générale de l'ANCER, une grosse charge. C'était d'électrifier ce pays, d'électrifier les milieux ruraux et périurbains. Mais en termes de chiffres, c'était de faire passer pratiquement le taux d'électrification de 9% à 30% à l'horizon 2024. Et pour ça, on a presque précisé que c'était un fardeau qu'il fallait porter, mais dans un laps de temps très court. Il nous a soutenu, il a porté la feuille de route de l'ANCER, notamment en lançant la capitalisation du fonds Mwinda en janvier, vous vous souviendrez, à Béatrice Hôtel. Et l'action d'aujourd'hui est une suite logique de cette capitalisation-là. Ça veut dire qu'autant qu'il a été, là à la naissance justement de l'opérationnalisation de l'ANCER, autant il continue d'accompagner. C'est le fond des ici, Ndjili Brasserie, pour voir les réalités qui prévalent ici. Il faut le dire, ce quartier, ça fait longtemps qu'il a été créé, il n'a jamais été... 60 ans dans le Nord, je précise, 60 ans, 50 ans dans le Nord. Il a été créé bien avant d'autres quartiers qui ont aujourd'hui... entrée de la République, qui c'est un milieu héros. Nous avons l'occasion de vous retrouver pour d'autres précisions. Jacques Kossema sera avec nous, Kaboumbi, le président de la République, ça il faut se le dire. Hein. Il ne choisit pas la couleur sociale la population. Le président fréquente les non-très fréquente même la population la plus. Conditions de vie de ses concitoyens. On se rappelle que ses discours reviennent chaque fois qu'il s'exprime. Il le veut, il a encore dit devant le ministre réuni en séminaire gouvernemental, l'une des missions c'est d'améliorer justement le vécu quotidien du Kinois. Et ce vécu doit être amélioré d'abord à partir de la ville Kinshasa, cette mégalopole de plus de 15 millions d'habitants. Une ville en pleine extension. Et pour améliorer la situation sociale, l'amélioration de la vie sociale passe aussi par l'accès à l'eau et à l'électricité. Aujourd'hui, il y a plusieurs quartiers de Kinshasa qui sont ne sont pas fournis en eau, de la vie des eaux. Importants sont en train d'être faits par le gouvernement. Les premiers résultats sont très visibles. Parlant de la régie des eaux, par exemple, il y a en ce moment deux usines de captage qui sont en train d'être montées dans la partie est. Nous sommes à Lemba Imbu, non loin du lieu où nous nous trouvons en ce moment, où il y a des travaux titres qui sont en train d'être faits. Et dans les mois qui suivent, usine pourra pomper un peu plus d'eau pour cette partie de la capitale. Et dans la périphérie ouest, nous sommes dans la commune d'Engaliema, pas très loin justement du site présidentiel. Là également, il y a une usine de captage d'eau dont les travaux avancent à pas de géant. C'est dire que donc en ce qui concerne la future de l'eau dans la ville de Kinshasa, il n'y aura plus de robinets fermés, des robinets qui ne font pas couler de l'eau. En matière d'électricité, toujours dans la ville capitale, il y a cette desserte qui a toujours posé des problèmes avec ces booms immobiliers qui accompagnent la ville de Kinshasa.
il y a cette de Kinsuka qui va recevoir toute l'énergie produite par Zongo Inga 2 pour renforcer les réseaux. Donc, et si on peut prendre tout ce qui vient comme les effets d'entraînement, donc à partir de l'électricité, on verra le commerce qui va tourner avec. Ces quartiers aura un peu plus de valeur. Le grand tard a déjà été fait. S'arrête, la vie s'arrête. Et voilà que pour une fois, ils ont un peu de lumière. Ils accueillent le président de la République à pareille heure, le président de la République qui est déjà annoncé ici. Et pour venir ici, c'est trop simple. Nous nous trouvons à une trentaine de kilomètres du centre-ville. Et l'entrée s'est faite à partir de, du boulevard du quartier 1. Le président de la République qui vient d'arriver, on le sent. Le comité d'accueil restreint, consulté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Ngobila, est déjà en place, le président de la République, dont on voit déjà le convoi arriver ici en Djili pour cette importante cérémonie. Il l'a voulu lui-même. Il faudrait que cela soit noté et retenu. Le président de la République a voulu lui-même arriver en plein milieu de nuit pour se rendre compte du résultat du travail réalisé par l'ANCER, cette structure dont la principal est de pouvoir fournir l'eau et l'électricité dans les milieux périurbains, milieux ruraux. C'est une structure qui est sous la tutelle du ministère des Ressources. Merci beaucoup, Jusqu'à Koussema. Vous l'aviez dit, du centre-ville, il faut compter au moins une trentaine de kilomètres. Mais à partir de la grande avenue, du grand boulevard Lumumba jusqu'ici, il faut compter près de 15 kilomètres. Et voilà, très chers téléspectateurs, le président de la République, il faut se dire, la route n'est pas tellement bonne, mais le président de la République arrivé à cette heure-ci, ici, ici à Angili Brasserie, pour le lancement de ce projet pour le moins important d'éclairage public dans un lieu. C'est pour revenir depuis l'existence de la lampadaire éclairage public. Quand il y a l'électricité, il y a la clé pour l'installation de lampadaire. L'ANCER ne recourt pas à une expertise extérieure et qui pour l'exécution de certains projets. Il faut être Tshisekedi pour le faire, Godé Kabundi. Et il le fait, il est là. On l'a vu lancer le projet Tile Gelou concerne au moins 40 km de voirie ici à Kinshasa et 100 km dans l'espace Kassai. Un projet qui va s'étendre sur le territoire national. Comme si cela ne suffisait pas, le semi-périurbain au niveau de la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure qu'il faut être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le faire. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Canada pas d'imbé, le Mouchina Bougoufambi. Léa, ou Amou Mouchina Bougoufika, mon Jimmy Brasserie, moi, Ba, ou Jimmy Kamenza, Boal Boassé. Nous avons dit que
bionso bari bashadika se bakaji nzem na quartier animia balokoza pa quartier le soit de mfumo wadi tunga 20 chilombo wa ajini bwa le peuple d'abord bidibi kengela bana bakulu sekeku bamuni habuzembu mudi tema ni bwalo bwa njina munene udibi akuje bya bunu bwa kufika bantu babu biteko maka anyi uluba bintu bya bunyi bya kudi bya bunyi bidiba jemu santi bidibika bifumina kulu sekalo njini brasili na nkobe bidiba shabika pato kwa bia kase a londe shabika anwer mbidika bote mu kilometre unwa bajibila nyendu ya bu makumi ya satu 30 poto pa kilometre unwa epel kushabika bwase idimanji kupinje u idimanji ya chile jelu kika lichikengela bwase ma territoire machine chilangana na muna mushindo wa kupeta miendo ya mushindo yo osubiri dijinga de mfumo wadi tunga udujinga bwase bidibi kengela bana ba mom badibembe na shini tukutuku butuku bikala ba muna njila uya yabu badibikala bende ni tujendela ndeli badibasombele kulini lusekelu badimu wakuye kumi jimu musantraville bafinga na mungu kuluseke uzubu yabu kaku iluta tu na shiru mwepele nash kibuwa lukai mudi swik mwamba bwase kabi yenu bikengela ni ntuma muntu muku wabu kuhu menena ani bwo yuko mundu miendo nanash ye yanka yendo wana wana mufiko ngadendo sus ye yanka yendo uju mwe bwalu kai mwadeu bantu tula bafu badibika la bashadi kanu bwase mbinji la bumukaji mumani kukala mufika kuimana kukatanda kabuka lenga bana baditu ngaba mumona kana bwase e ukuwabu walu dibri dibamba se muntu wa munu nanga ujumu wakuna endele bwenyi na shabutuku na shibamba mumini hajimu kunanga ujimu chakufika mwabudu sana nyibwa wakulu mwono kibwalu kai bana bonsu bakulu sekelu kabe ina bashikulana babunyi bariba banjila batangila wakuma nani nyendu mina hidi tema bishi mwendu du tema ni munya padi munya uweza dibaji ujufila bukenka bukenka abu haditu fika butuku tuwa jitangili di mwabeu bantu wa suba sombe batangila pembe mboku kumbana numu jizuite ni tususe chitema miendu yosu mitema mwaba ni mwaba yosu udibaiteka mwakushadika biya kana bwase mujumu mwaka nudibense kudibena nsek nibikala nchakweze mujumu ewu muma province mashila shilangana bwani ma territoire adimikala kengele se apeta pa unyendu bwamuna mwakupeta bwalu mwijima kawene mwaka na nashi bilibi kengele ni bantu bonsu bikala miendu walu ditu ngeda kongo demokratik njibite bunena kadididi kengele ni jikala mubukenka bana bamu Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, vous m'avez dit la Kabak. On a vu, hein, il n'y a pas longtemps, très cher téléspectateur, le chef de l'État, Félix Antoine de Tshilombo lançait également un projet pareil, même si en ce temps il n'y avait pas encore d'opérationnalisation de ce projet. C'était à Mbokapolo, hein, sur la route nationale numéro 1. C'est vous dépassez pratiquement dans la commune de Maluku, hein, sur la route nationale numéro 1. Nous étions à Mbokapolo pour lancer. C'était photovoltaïque. Il s'agissait d'une centrale photovoltaïque qui devait en principe desservir toute la périphérie, toute la zone semi-industrielle du plateau de Bateke. Et c'est des travaux qui sont en cours, qui ont été lancés il y a une année. Là encore, des travaux se poursuivent et Anser a également repris ces quartiers, disons cette périphérie de l'Est. Dans la commune de Maluku et de Lancelé pour alimenter toutes les productions semi-industrielles. Mais au-delà de cela, le plus important ici, c'est que Anser a eu deux moyens. Le président de la République, à travers le projet Mouinda, on se rappellera, a sorti lui-même 10 millions de francs congolais symboliques. Équivalent au moins de 5 millions de dollars. Exactement, comme contribution personnelle. 10 milliards, vous allez dire 10 milliards de francs congolais. Équivalent de 5 millions de dollars. Exactement, c'était pour donner une contribution personnelle pour
justement l'impulsion à cette structure qui, sur papier, existait depuis 2014, mais qui n'a jamais fonctionné. Et c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a nommé le premier dirigeant de cette structure qui dépend du ministère de Ressources hydrauliques et énergie. Et ANCR vient aujourd'hui, grâce à ses partenaires, d'expérimenter cette... Imaginez-vous qu'avec cette technologie des panneaux photovoltaïques, donc à Kinshasa, tout éclairé, rien qu'avec cette lumière que Dieu nous a donnée, hein, cette énergie solaire qui est là, mais qui peut aujourd'hui contribuer à réduire les poches noires. Donc le quartier où nous nous trouvons en ce moment vient de l'expérimenter. Un quartier qui sera éclairé. C'est vrai que pour l'instant, il s'agit de l'artère principale de cette voie. Il faut aussi penser hein, à l'électrification, à la consommation de domicile. C'est dans le projet d'Anser, mais comme il faut toujours commencer un voyage de 1000 km par le premier mètre, c'est ce qui est en train d'être fait, mais lorsque vous regardez le cahier de charge d'Anser, il y a effectivement la desserte en énergie électrique, mais aussi en eau potable. Ce sont les deux volets de la mission principale d'Anser. Donc, la République démocratique du Congo, du potentiel hydroélectrique, c'est aussi un scandale. On a souvent dit, même le barrage d'Inga lui-même, le projet Inga 3 à lui-même peut alimenter toute l'Afrique. C'est démontré, toutes les études convergent vers le même résultat. Inga, le potentiel de Inga 3 peut alimenter non seulement la République démocratique du Congo dans sa totalité, mais aussi toute la partie australe de l'Afrique. Donc, et déjà, les premiers qui se sont intéressés, c'est l'Afrique du Sud, par exemple, et beaucoup d'autres pays. Mais ça, ce n'est que Inga, mais toutes les rivières de notre pays, dans chaque province, il est donc possible d'aménager des centrales hydroélectriques. L'expérience en a été faite. Il y en a qui sont déjà là et qui n'attendent que la dernière phase des travaux. Donc, à Kobola, par exemple, les travaux arrivés en terme, ça c'est dans la province du Kwilu. Et Katende. Il y a Katende dans le Kasaï. Et le président de la République a lui-même pris à bras le corps ce projet. Et il a mis des moyens. Et les équipes travaillent pour la dernière phase, à la distribution, au transport et à la distribution de cette énergie jusqu'au niveau de maison. Donc c'est dire qu'il y a un moment, pour prendre l'anecdote, il y a un moment de récolte, mais on n'arrive pas à la récolte si on n'a pas semé. Donc il y a la semence et nous sommes, je pense, dans cette phase-là et les résultats visibles par la population le seront, ils le sont déjà, mais ils le seront avec grande intensité dans les jours qui suivent. Donc voilà la symbolique de cet événement nocturne. Ici, plein quartier Benjili, brasserie où la lumière n'a jamais existé, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas du courant de la SNEL, mais avec la détermination du président de la République aujourd'hui, il y a cette phase d'expérimentation avec l'électrification des grandes artères. Il est vrai que les moyens techniques sont limités, nous ne pouvons pas faire le travelling sur le long de ces parcours pour voir, mais ceux qui sont ici le savent, il y a non seulement les périmètres où nous nous trouvons, mais ça s'étend sur plus de 1500 mètres pour éclairer ces quartiers. Ces quartiers qui est également connu, Blaise Bokokia, pour l'approvisionnement en légumes à Kinshasa. C'est ici qu'il y a du potager, ici que passe la braise et beaucoup d'autres produits qui viennent du Congo central. Merci beaucoup, hein. Giscard Kousema. Que le soleil se couche, Inga veille. C'est la mission assignée à cette centrale hydroélectrique. Mais c'est vrai que Inga ne peut pas
atteindre tout le territoire national, là où Inga se limite, le marché de le secteur a été ouvert, hein, a été libéralisé. C'est la raison pour laquelle les privés s'en occupent avec toutes ces opportunités d'affaires qu'offre ce secteur. Il est tellement grand que les privés s'y mêlent ou s'en mêlent. C'est la raison pour laquelle vous aviez remarqué que l'ANSER maintenant a lancé les travaux à partir de Njili Brasserie. Et tout à l'heure, le président va se rendre compte de l'effectivité de ce projet. Nous l'avions dit, pour le moins important dans notre pays. Le projet va s'étendre sur l'ensemble, une grande partie hein, du territoire national, mais le début, c'est ici, Njili Brasserie, Mathieu Modibango. Nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici sur place. Il est exactement 19h20. Le président n'est pas encore là, certainement qu'il est en route. Il va devoir arriver ici d'un moment à l'autre sur place. Le décor est planté avec la complicité hein, de tout le... le caméraman qui sont déployés, Zahir Luzembo, Terence, Nseka et tous les autres, et avec bien sûr la complicité de Maxime Androgua qui réalise cette retransmission. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la tribune d'honneur, il y a déjà des invités qui y sont. Le siège du président est là, les photos. Allais-je dire, hein, le chef de l'État est là. D'un moment à l'autre, il va arriver ici. Les comités d'accueil de la marquent de ces belles images qui vous arrivent. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Gentil Ngobila, qui est à ses côtés, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, dont le décor est donc planté. Tout le monde est déjà là. On n'attend plus que l'arrivée du président de la République pour donner le coup d'envoi de ce projet. L'électrification de milieu rural et périurbain qui va s'étendre hein, sur une grande partie du territoire national, mais le début a commencé hein, ici. C'est Njili Brasserie qui a connu le début de ce projet pour le moins important, Mathieu Mubangu, pour la population congolaise. Njili Brasserie, Bazali, Sengo, Makasi, Pembate, Mwongo, Moye, Mobandi, Naïle, Katia Kopani Anser Nelkwela ya Mosala Elongona Solectra Oetche Maboko Ponatina Kosa Misala Mie Kasito Kundula Vinete Lokoboza Kolanda Biso Moi Mosi Molali Motike Sikana Mwinda Mwoza Kopela Nasima Kozwa Moi Ezala Kiwana Mwinda Mwoza Mwoza Kopela Pe Mwoza Kotali Sete Yaso Ezali Mwango Ya Bonge Ngisi Pamba Te Soko Mwinde Ye Bonge Mwona Na Mwona Na 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 Moi, Mwinda, moi, pona kukimisa moyo kati ya bato. Njoka mwango moyo mozala litomba linene pona kongengisa bana kaka ya Njili Brasserie kasi yango kokende bipale na pale kola moko mosali ya kompani asera uteko bango. Naza ko tali sete mukambe kolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Okati ya linaka ya ye ya mosala. Asa ko sala maso pona tina ya lobaki okati ya disikule et bano koko démocratique mani mapeto lotiliki ezalo katse tumba ezako sete kolo ya biso koko démocratique mobimba mobika na yango pamba te yango ezali nzela ya ebike yango ezali nzela ya bomemi botongo ya miokati ya bato na yango mokambe kolo aza kosala maso po te maloba mana makokisa mantembe te olalenge na yebisaki bino eleki mwa mposo yoko tozalaki kuna na komine Kafula, les acteurs Kambo, il y a Munda, il y a Moïte, quand on est venu au Tiki, on est en Dukazon de D. Si on est en Dukazon de D, il y a Moïe et Pai et Koya et Fandi, et j'aime ce que ma bengi poste, il y a Sne, au Salon, Kutuka. C'est pour moi que le mot quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, Lembo ya botongi poste wana ya bopesi lotiliki wana tokeri ololi lembo ya mbomokozi Kinshasa tofani na komi ya maluku na mboka polo omulaki lolenge kani soko komi kuna okomona pano meke etondi kotonda moike soko sali angela etokobeta libaku pamba te elandami bolanda pano wana ezepe kobimisa lotiliki ekosu
Nga daba botama wazo mizinga zinga kuna pola kotala lolenge kanya bosale sa kati ya kompani ezomina komina malu komina tsele maso mazali kotala sa lolenge kanya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo azoko mambongwa bato bakambi basa wana pola kozila bokumba yeme kumonene ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Images nous proposées par les caméramans déployés ici sur place, Angeli Brasky, très cher téléspectateur, Maxime Androgois, merci, très cher téléspectateur, ce bien-là, l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a présidé pendant la journée le conseil de ministres, il avait d'autres occupations, mais il était prévu qu'il puisse arriver ici. De la population de Djili Brasky, le garant de la nation est arrivé ici. Il va descendre d'un moment à l'autre de sa Jeep. Vous le remarquez. Merci beaucoup, Maxime Androgois. Le président de la République descend de sa Jeep. Il va rejoindre. Il va voilà. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en personne. Il est là. Il tient Morbicus à la réalisation, à la concrétisation de ce projet. L'électrification des milieux urbains. Rural et périurbain. Il est là, il salue le comité restreint composé essentiellement du gouverneur de la ville province de Kinshasa, du commissaire de la police nationale congolaise et du bourgmestre de la ville. Il est là en personne, très bien. Félix Antoine Tshisekedi va d'un moment à l'autre rejoindre la tribune. Il est frénétiquement salué par la population. Et à par ailleurs, dans ce quartier, à par ailleurs, tout le monde est chez soi. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on voit cette population mobilisée pour saluer et accueillir chaleureusement le chef de l'État et pour saluer aussi ce projet d'éclairage. Par le président de la République et financé et par le chef de l'État et pour le bonheur du peuple congolais jusqu'à Kusema. Excellence, monsieur le président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectives, nous sommes dans le quartier Mukondo, à Djili Brasserie, dans la commune de la Sénéou, sous le haut patronage, monsieur le président de la République, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en serre en sigle, agence sous tutelle du ministère des ressources hydrauliques et de l'électricité, qui vient de terminer le projet pilote d'éclairage public, fruit de son partenariat avec la société Solectra RN. Avant de pouvoir vous rendre compte de l'efficacité du projet, nous allons assister à de brèves interventions successivement de M. Gentilou Mobila Mbaka, gouverneur de la vice-province de Kinshasa, qui sera suivi de celle de M. Samba Batili, fondateur et président de Selecta, et enfin, ça sera l'intervention de M. Isebald Chinamula de l'Enseigne. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le protocole invite, avec votre autorisation, Monsieur le Gouverneur de la vice-province de Kinshasa pour son mot de bienvenue. Monsieur le Président de la République, avec mes hommages les plus déférents, Messieurs
des directeurs de cabinet du président de la République, monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, distingués invités en titre et qualité respectifs. Bana Mikondo Oye! Bana Mikondo Oye! Bana Mikondo! Ezali Mikolo Nyonso te, nde tozali na chance ya koyamba na mokonzi ya ekolo chef d'État, président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est des jours agréables, mais ces jours n'arrivent pas tous les jours. Cette cérémonie qui vient lancer le projet pilote, initié par vous-même, illustre de façon significative aussi à améliorer les conditions de vie des Congolaises et des Congolais. Bana Mikondo Oye! Bana Mikondo Oye! Oye! Bana Mikondo, projet Oyo! Tata Mokondi a memeli bino ya kotia mwinda na batie ali kota minda bisika nyonso Bana Mikondo Oye, projet Oyo Ezali, projet Motuya, il y a 42 villages, 42 quartiers, il y a plus de 102 kilomètres, il y a éclairage. Boyebite, éclairage public, Ezali, Kodumunye, insécurité na kati ya mboka ezali kopesa possibilité na bandeko pona ko développer moi activité commerciale ezali pe ko matisa nkita ya ekolo na biso esengeli biso banso awa na na quartier Mikondo Tosimba projet Oyo ya Minda pour tous. Yango wana, tokopesa, merci na tata mokondi ya ekolo. Tokobetela maboko makasi. Tokopesa lisusu. Merci la société Anser. Basali Mosala Kitoko a lancé projet pilote Awa na quartier Mikondo. Bana Mikondo Oye! Bana Mikondo Oye! Lelo ezali mokolo esengo. Tata mokonzi ekolo akomeli biso. Mbe tozali na chance pe okazion ya komona ye. Esengeli tozala kimia toyoka ba message nyonso oyo
toye na yango. Po na yango, na sengete, toza la kimia biso banso. Alors, projet Oyo, nenge na yut kolobawa, et ko améliorer ba condition ya vie, ya ba congolaise, na ba congolais, awa na kate Mikondo, na commune ya Nsele. Pe ekwa ba miyibi na ba kuluna ba bangaka minda. Soki minda ekoti na mboka, ba miyibi ba pakati. Soki minda ekoti na quartier, ba kuluna ba kimi mboka. Boebiete mikoloyo ba kuluna ba komi kokende kanya makasese. Esengeli ete biso banso tombate minga oyo bazali kotiela na mboka bobate la ba yango pe moto moko akoka kosimba te koyiba te. Je vous remercie. Nous invitons M. Samba Batili, fondateur et président de la société Solectra. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, les membres du gouvernement. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, les chefs coutumiers ici présents. C'est un honneur pour moi de participer à ce programme Lumière pour tous, qui est la matérialisation de la vision de M. le Président de la République, sortir les Congolais et les Congolaises de l'obscurité. Pour votre information, la société Solectra que je dirige est une filiale du groupe ADS qui est chargée d'exécuter les projets d'énergie. À ce jour, depuis une dizaine d'années, nous avons électrifié plus de 1800 localités en Afrique pour un coût total de plus de 600 millions de dollars. Et ce sera avec un énorme plaisir qu'on participera à ce programme ambitieux d'électrifier les zones rurales et périurbaines. Qu'on a pu relever comme défi dans plus de 18 pays. Merci beaucoup. Et pour terminer, nous invitons M. Isebald Chimamula, directeur général de Anser, pour son mot. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages de Ferrand, Monsieur le Gouverneur de Kinshasa, Monsieur l'administrateur du territoire, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ANSER, Monsieur le PG de Solectra, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En janvier dernier,
capitalisation du fonds Mwinda avec une contribution symbolique de l'ordre de 10 milliards de francs congolais, équivalent à 5 millions de dollars américains. Nous avons effectivement encaissé cette somme et au nom de la direction générale de l'ANSER que je dirige et de tous nos collaborateurs, nous renouvelons ici notre profonde gratitude à l'endroit de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Cette somme était destinée à inciter d'autres contributions de la part de nos partenaires. Pour y arriver, il a fallu au préalable définir l'électrification et ensuite mettre en place un système rigoureux de gestion de ces fonds. À ce jour, nous sommes très avancés sur ces deux prérequis. Aussi, avons-nous lancé depuis 8 juillet dernier une phase pilote qui cible 3 000 ménages répartis sur 6 villages. Le projet est en cours en ce moment et les résultats seront disponibles à partir de la fin du mois d'août. Les résultats devaient nous permettre d'agir nos manuels de procédure avant de lancer les fonds Mwinda à grande échelle en décembre de cette même année. L'engouement des partenaires est très vif à ce jour. Cependant, le volet électrification, le volet éclairage public ne correspond pas à ce jour au mécanisme de fonctionnement du fonds Mwinda. Il nous a fallu imaginer un autre modèle économique pour prendre en charge ce segment important de l'électrification. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec la société Solectra, nous avons trouvé ce modèle. Ce modèle qui nous a permis en 45 jours seulement, nous sommes parvenus à fabriquer les poteaux que vous voyez. C'est fabriqué ici à Kinshasa, exactement à Kingabwa. Dans les 45 jours, nous avons formé des jeunes qui sont ici et qui ont été en charge de monter tous ces poteaux. Ces poteaux ont été montés par des jeunes habitants ces mêmes quartiers. Et ces jeunes sont les mêmes qui assurent l'entretien de ces poteaux. C'est pour eux un travail et c'est un contrat avec ANSER pour la suite, pour entretenir tous ces poteaux, pour lesquels les lampes ont une... Avec ces lampes, nous avons une garantie de 6 ans et la durée de vie est estimée autour de 18 ans. Mais nous avons une garantie de 6 ans, avec un entretien normalement tous les 6 mois. Avec ce projet, dans les 45 jours, nous avons reçu ce que nous avons importé. Les matériels qui ont été importés, ce sont les panneaux et les lampes. Et nous avons obtenu les exonérations nécessaires pour pouvoir se produire ici à Kinshasa. Dans les 45 jours, nous avons installé ces matériels ici et ces poteaux. Et la vitesse de travail, c'était 1 km par jour avec les jeunes du quartier. 1 km par jour, nous sommes parvenus à électrifier effectivement ces quartiers. Donc tout cela montre effectivement qu'il est possible, en très peu de temps, de pouvoir électrifier la RDC. ANSER, dans son ensemble, de façon globale, n'a pas reçu le budget pour 2021. Notre budget, nous sommes en pleine négociation pour 2022. Nous voulions simplement attirer votre attention, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression renouvelée de nos déférences les plus référents, pour dire qu'à ce jour, nous avons encore 5 mois devant nous et il est possible d'étendre cette expérience à plus grande échelle. À ce jour, nous sommes déjà en train de cibler les prochains villages qui vont être électrifiés avec cette expérience. Cette fois-là, c'est au niveau des ménages. Ça va être Mongata, où nous sommes en train de cibler 200 ménages qui vont recevoir l'électricité à partir du mois de septembre. Et tout le matériel est déjà réuni. Le même mois de septembre, nous allons arriver à électrifier également. Nous avons ciblé les villages Mamboleo dans la province de Tchopo. Nous avons ciblé également des villages dans la province du Sud Kivu, Madaka et Irambira. Nous avons ciblé également dans la province du Kasai Luiza. Ce sont ces provinces qui vont recevoir ces interventions pilotes. Mais il est évident que nous n'avons des ressources pour étendre l'expérience. Nous avons les compétences, nous avons les capacités aujourd'hui, nous avons
toute la technicité pour étendre cette expertise et des partenaires qui sont avec nous. Notre requête ce soir, c'est vous rassurer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous pouvons, dans les 5 mois qui restent, éclairer à peu près, nous sommes en train d'estimer 1080 kilomètres linéaires dans les 70 territoires dans les 5 mois qui restent. Et pour cela, nous avons une préparée, un dossier complet, et si vous le permettez, que nous soumettrons bien entendu au gouvernement. Et notre requête ce soir, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est d'user encore de votre influence comme d'habitude pour que nous puissions être servis et dans les 5 mois, en attendant 2022 où nous serons inscrits dans les budgets de l'État, que nous puissions mettre ça en œuvre. Au nom de toute l'équipe des lanceurs et tout en remerciant notre partenaire, je vous dis encore merci Excellence pour le sacrifice et pour avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Cette activité. Nous demandons à l'assistance de vouloir se lever pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le projet qu'il a initié et ce projet qui est en train de se concrétiser. Et on a vu le visage, l'expression du visage, au niveau du visage du chef de l'État. Projet et le responsable de l'ANCER l'a dit, non seulement Angelo Brasserie, mais ce projet va s'étendre sur beaucoup de territoires de la République démocratique du Congo. Et nous l'avions dit au début de notre intervention, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo répond ainsi aux préoccupations de sa population. Lorsque le rapport lui est arrivé, il a dit qu'il voulait voir lui-même de visu ce qui a été fait malgré ses lourdes charges, malgré une grande journée consacrée au gouvernement avec le Conseil des ministres, le président de la République a donné pour venir ici dans la périphérie sud-est de la capitale pour voir ces projets qui les tient à cœur. On rappellera que c'est lui qui a donné vie à Anser, une structure qui existait sur papier, mais dont les animateurs n'avaient jamais été désignés et dont les moyens n'avaient jamais été débloqués également. Lui a pris la décision de nommer une équipe de la direction générale de cette structure. Il était le tout premier à donner le moyen également. Regardez le président comment il jette un regard infini pour donner également et se rendre compte de l'effectivité. Nous l'avions dit, quand on voit son expression faciale, on se voit que le président est très content. Et comme l'a dit le responsable de l'ANCER, il faut mettre les moyens à la disposition de cette société et pour que ce projet puisse être effectif dans d'autres territoires. Exactement, Blaise Kokia Sanza, le chef de l'État qui prend un peu de temps maintenant pour parler au-delà des allocutions qui ont été dites tout à l'heure. Voilà le chef de l'État qui est en face responsable de l'État, voilà, il parle directement avec eux parce qu'il les encourage pour ce travail qui a été fait et il voudrait voir des actions concrètes. Ça, c'est ce que le président de la République a dit et c'est ce qu'il le fait et c'est ce qu'il le veut. Donc, des actions concrètes à impact visible et celle-ci en est une. Il s'agit de l'électrification de milieux périurbains. Nous sommes à 30 km du centre-ville, dans un trou noir, dans un quartier périphérique qui mène droit vers la province du Congo central. C'est ici que le président de la République est venu rouler sur cette route, sur cette tronçon, et il a vu le travail, l'excellent travail qui a été fait par Selecta pour le compte d'Anser Blaise Bokoukia. Une rassurance, hein.
à Sandra Nyang Tabou qui a un grand rendez-vous avec les téléspectateurs ce soir à 20h. Sandra, vos apaisements, le journal aura bel et bien lieu. Nous allons nous organiser pour vous rendre l'antenne aussitôt le président quitte cet endroit, Njili Brasserie. Après cet échange avec les responsables des deux sociétés qui s'occupent de l'électrification de ce quartier rural et périurbain, le président va devoir quitter donc Njili Brasserie pour regagner le centre-ville ou sa résidence. Mais en attendant, nous poursuivons. Hein. Voilà, il salue la population. Une population qui a réservé un accueil, on ne peut plus chaleureux, au chef de l'État. Une population longtemps plongée dans le noir, pendant plus de 60 ans, depuis que le quartier existe. Et aujourd'hui, ce quartier est illuminé grâce à un homme.